Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Terran Command avec le DLC Rising Hell. On est débarqué sur la mission 2 et visiblement on découvre déjà qu'il y a des enfoirés qui traînent. Où est-ce qu'ils sont? Juste là. Ok, on a une bonne vision là, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? On a des grenades. Grenade, et toi ta cible désignée. Ok. Look sharp, troopers. Roger that. Affirmative. Donc on a l'air d'avoir ici un site, un chercheur et les autres. Ok. Là on voit du rouge, très bien, on a du piqueur par là. Il a un lance-grenade notre officier stratégique visiblement. Plutôt pratique. Yes. Let's go. On va essayer de garder les hauteurs bien sûr hein, pendant qu'on progresse, de prendre des grands angles. Voilà, pour éviter qu'il puisse nous choper dans les virages. C'est vrai que vu qu'ils sont adeptes du corps à cœur, ils sont efficaces pour ça. Ah, un nid. Normalement on doit tuer les nids avec des charges d'ingénieur de combat, mais pour le moment on n'a pas d'ingénieur de combat. Donc on va les tuer à l'ancienne. Tuer quand même ce qui s'approche tant qu'à faire, surtout qu'ils attaquent à distance eux. On va avancer un peu, on sera peut-être un peu plus précis parce que là c'est un peu la douleur. Ah mais le nid se défend. Bordel. Le nid se défend quoi. Très bien, donc le nid se défend, donc on va du coup rester à distance même si notre précision est discutable. Ok, ils ont eu le temps de faire une dernière... tourner avant. On va pouvoir progresser. On a perdu un homme du coup. C'est bien dommage. J'entends des bruits d'insectes. On va aller fouiller par là quand même. Voir ce qu'on voit. A priori rien, mais on va prendre la hauteur pour aller par ici au cas où. Donc il y a des piqueurs mais il y a aussi des guerriers, hein, on a vu. Ok, ça a l'air calme. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y en a une caisse là-bas. Venez par là vous, parce que visiblement là c'est plutôt net. It's fully automated. Just protect it while it extracts the sample. Bugs will zero in on the drilling vibrations. Form a defensive perimeter. We're gonna have company. Affirmative. Here they come. D'où ils arrivent? Look sharp, troopers. This way. Bug attack inbound. Let's go. D'ici, c'est où? C'est de là? C'est de là. Ok. Sir, Roger. Venez là vous. Ok, non, plutôt par là, très bien. Ah non, des deux côtés, ah non, mais de partout en fait. Très bien. On a une position un petit peu limite ici, mais là, ils vont faire le taf, je pense. Faut juste qu'on fasse gaffe parce que les piqueurs ont une meilleure portée qu'eux. Pas trop qu'ils avancent. Très bien, recule un peu. Allez, vas-y, cramez-les parce qu'ils vont plus vite que vous. Ok, ça c'est fait. We need to speed up the operation. I'm sending in a group of our contractors to handle the northern sites. With respect, ma'am.
The mobile infantry can handle the mission objectives. Relax, Fedman. Plenty of bugs to go round. You stay out our way, and we'll stay out yours. Troopers, move up! Let's show them the MI gets things done! This way! Yes, sir. Roger that. Roger that. D'accord, intéressant. This way. Progressons. A unit has been promoted, sir. Look sharp, yes, sir. Kill him! Yes, this ain't gonna be a picnic. Oula, vous êtes un petit peu trop en avant, vous. Reculez. Awaiting orders. Vous allez vous occuper de ça plutôt. Ouais, c'est déjà un peu plus efficace pour ça. Toi, t'as une unité d'élite. Qu'est-ce que tu peux prendre ? Les ingénieurs ont fait le taf, il faut quand même qu'ils nettoient ça. Putain, parce que on a plus qu'un là. On est en train de se faire défoncer. Sérieusement? C'est un truc de fou. Reculez là, ils sont en train de vous taper dessus. Alors ils ont été promotés mais ils sont morts donc du coup Waouh. Ah, plus ils arrêtent de combattre pendant la ciné. On s'est fait dépouiller le fesse. Très bien, rechargeons. Tac. Allez, c'est parti. On est reparti. Avec juste deux unités, c'est chaud, hein. Les mecs sont vraiment partout, quoi. Alors du coup, on va essayer de passer par là plutôt. Alors, approchez pas trop, est-ce que vous pouvez grimper par là? Ça m'a l'air d'être plus ou moins un cul-de-sac, mais on a peut-être moyen d'avoir une portée, non, pas vraiment. Mes ingénieurs parce qu'ils sont un petit peu trop ils y vont un petit peu trop devant. Vous allez progresser un peu quand même. Si on a une station de radio qui nous permettrait certainement de prendre des renforts, on va essayer. Ouais, on se calme. Cramez-les, vous arrêtez de tirer là-dessus. On avance par là. Officier stratégique, il recule, il a son truc. En train de souffrir là de nouveau. First sample in the bag. We're catching up on you, Fed. I remember you now. The Merc, leading the bugs back on Vylon. Sorry, that's above your pay grade. Ah, y'a une foutue galerie juste là en fait. Repliez-vous, vous. Il faut prendre ce truc. Parfait. J'ai pas du tout assez de points là. Aller prendre ce truc là. Ah la vache, mais il y a 3 nid piqueurs là. Sérieusement? Ok, on a pris un peu plus de.
le truc, on peut appeler un chouille de renfort. Là, il va ressortir du monde là. Le fusil à pompe qui va être très utile, lui en train de se faire dépouiller. Putain, on peut perdre notre officier. Oh la grenade. C'est bon, oui. Par là. Vous buguez un peu, faut que je vous avance simplement. We should wipe out that bug hive before we proceed to the next site. Je suis d'accord, on y travaille, on y travaille. Grenade. Vous, ici. Lance-grenade, charge explosive. Ça va nous aider. Ah putain, ça foirait carré dans notre dos là. Des renforts. Il faut qu'on aille s'occuper de cette ruche rapidement. Les ingés. Une charge ici, s'il vous plaît. Tirez-vous. À faire pour qu'elle explose. Vous pouvez faire exploser après 3 secondes. Ok, d'accord, c'est comme ça. Je me souviens même plus comment on fait pour tuer ces foutues ruches. Ah, y'a encore un. Des enfoirés là. C'est bon pour la bombe. Ok, on avance. Avancez ici. Non, vous. Passez pas dans les flammes, s'il vous plaît. Vous faites le tour. Ah, on n'a pas notre charge, merde. Pas notre charge explosive, donc on va se contenter de mettre des mecs qui tirent du coup. C'est quasiment détruit. Vous allez vous soigner, tant qu'à faire. Allez, c'est parti, on envoie là-dedans du monde. Vous retournez ici, on va détruire cette foutue ruche. Et après on pourra peut-être progresser. Sir, additional supplies are now available. Ok, d'autres ingénieurs, c'est parti. Ensuite, par où on va? Si on veut aller par là-bas, si on progresse par ici, très bien. Ah, ça sent pas bon le geyser de lave là. Ouais, très bien, faut les éviter, je vois. Putain. Allez, on progresse. Parce que pendant ce temps-là, les autres là-haut, ils avancent tranquillement. J'adore avec leur truc qui montre qu'ils sont payés quoi. Attends, ça va péter. D'accord, très bien. Ça tue directement les gens. Ok. Ah, maintenant on voit quand ils ont leur
leur petit bonus là. Stop, arrêtez-vous, ça va péter. On a besoin de renfort là, vous. Vous allez poster un truc là-bas, vous me balancez une grenade dans le tas. Repliez-vous. Putain, votre unité d'assaut s'est fait défoncer. On va voir si on débloque éventuellement un autre truc devant, mais... Alors, toi t'as été promoted. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on élimine ça. Ok, on devrait pouvoir se réapprovisionner là. Parfait. Progresser comme ça. Ah, il y a des foutus tireurs là-bas de nouveau. En avant, vous avancez avec parcimonie. Il y en a qui nous attaquent là. Est-ce que vous pouvez vous soigner ici? Non, vous n'avez pas encore fait le truc. Allez prendre ça. Il va crever ce con. Mais je t'ai demandé de placer ta charge, imbécile. Tire-toi. Ici on reste en train de crever comme des cons. Avancez vous par là. Putain, on a perdu nos deux ingés quoi. Hop, hop, hop. Dropships engaged elsewhere, sir. On n'a pas assez de monde. Balance-moi une petite grenade là-dessus, les gars. Ça c'est pareil, ici on se soigne. Nos vaisseaux sont encore en train de charger. Oui, il y en a qui arrivent ici là. Ok, il nous faut nos ingés en haut. Ça y est, on peut se soigner. Encore tout à fait assez. Ici vous allez me les cramer à mort. Parfait, là, réparez-moi ça. Vous. Alors, on a débloqué les unités MK. Ah oui, c'est vrai, ça serait pas mal ça, les petites unités MK. On va peut-être envoyer une unité d'assaut. Allez, ok, on se met là, on fait venir. Engineers, follow me. Ah, ils arrivent d'ici. Ok, ils arrivent d'ici. Montez par là, vous. Tell us what to do. On a perdu notre unité d'élite. Ah, il y en a qui arrivent ici aussi. Bordel. Montez un chouille, vous. Tell us what to do. Listen up. Engineers reporting. Si ça tient. On se fait tirer dessus là, vous êtes sérieux? Engineers reporting. Come on, troopers, on to the next objective. We're not gonna let some merc rabble outdo us. Il faut en faire 4 avant les mercenaires. Putain, la vache quoi. Les mecs, vous déconnez pas. Alors, est-ce qu'ils sont déjà ici?
Nous on en a un là, ok, en avant. On se tapait une ruche aussi à nettoyer. Ils s'arrêtent pas sur les antres, ils s'en foutent. Hein. Our seismic sensors show something big near you. Watch out. We're mobile infantry, real soldiers. Whatever it is, we can handle it. Par contre, faut pas se séparer, les gars. Intel reports a new bug threat in our sector. Sérieux, des cuirassés. Joie. Engineers, follow me. Bon, on est à fond. Roger that. On va prendre cette hauteur. Pour l'instant, on voit rien. Très bien. On va pouvoir aller rapidement stash ici. Your tools and move out. Roger that. Roast them and toast them. Engineers reporting. Sir. Ok. C'est fait. Alors, il me faut un ingé qui va me réparer ça rapidement. Il me faut une unité qui va prendre ça d'assaut. Il me faut quelqu'un là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Tu vas tenir ici. Où est notre autre mec? Il est mort. Ok, je ne sais pas comment, mais visiblement, il semble décédé. Il a dû se prendre le cuirassé. Toi, viens te mettre un peu devant. Ici, des grenades. On va foutre un truc de dégâts là. Là, ça se passe pas trop mal. On va lancer une petite grenade juste ici. Une autre là. Ici. Une petite grenade incendiaire des familles pour les calmer. Toi, viens là. Ah putain, y'a un cuirassé. Deux cuirassés. Vous êtes sérieux? Ouvrez-vous de là-haut. Ah, encore plein de cuirassés, d'accord, très bien. Ah putain, la vache, il meurt tellement vite. Et vous, vous voulez pas les cramer un peu? Ok, un de moins. Il faut qu'on aille ici. Il nous faut du renfort. Il nous faut un comme ça, un autre comme ça. Trop proche. Vas-y, balance une grenade là. Ok, c'est bon, c'est fait. On a un peu de provisions ici à aller chercher. Alors par contre, il faut qu'on soit là. Vous rechargez vous, vous pareil. Vous êtes d'élite, vous avez quoi? Grenade antiaérienne. Explosion déchirante, ça c'est bien. Hop. Putain, les cuirassés en masse là, c'est pas cool hein. Emparez-vous de ça, vous. Ici, venez, on va récupérer une nouvelle unité, un autre. Allez, faut abattre ça là. Voilà. Un nid en moins, très bien, toi tu viens. On fait venir un mec de plus. Et
Toi t'es pas élite. Toi t'es élite. Allez, on vient là. Il faut avancer. Mercenaire de fragmentation avec fusil à pompe. Ok, les mecs ils sont en plein combat. Ils ont pas peur. Hein. Ah, c'est une foutue ruche. Bordel. Alors là, vous. Oh putain. Grenade. Pointez-vous, vous. Vous aussi. Director, Captain Zhao reporting. We have encountered a large bug hive at the last site. That must be the source of all arachnid activity in the sector. You'll have to clear it out. This is now the mission priority. Very well. We'll get the job done. Nettoyer la dernière ruche. Ah oui, la vache, c'est une sacrée foutue ruche, effectivement. Allez, vous allez là, la ruche. Très bien. On va falloir qu'on avance. En plus, il y a des saloperies. Là, ils sont bientôt rechargés dans notre dos. Mais la priorité, c'est d'avancer. On se calme, les gars. Vous avancez pas trop. Oui, la priorité, c'est d'avancer. Je veux pas que vous avanciez trop. Exactement. Putain, des crégats incurassés là. On a pas nos grenades. Alors toi. Vas-y, grenade. Toi. Grenade. Vous tirez-vous. Vous, je vous ai demandé de lancer une grenade également. Allez. Ça se recharge derrière. Il nous faut des mecs à l'arrière. Qu'est-ce que vous foutez là? Finir là. Merci. Alors il va falloir qu'on marche dans les geysers. Ça fait un peu chier, mais bon. On va essayer d'aller au centre assez rapidement. Avant qu'il nous pète à la tronche. Ok, on pourrait éventuellement envoyer des gens là-bas. Alors, il nous faut... Toi... Non, n'y va pas. Ah, putain. Bordel. C'est un échec. Il faut qu'on tue ces cons avant. Putain. Alors on va prendre du VE. Allez, faut les envoyer là pendant que c'est vide. Parce que là nos mecs ils ont un petit peu mangé. Upper cave's clear, but there is an extensive tunnel network leading deep into the mountains. A hive this large will require substantial reinforcements to fully exterminate. I've got nuke techs on my team, director. Des techniciens nucléaires. La bonne idée. Very well. I'll extend your contract to cover destroying the hive. Captain Zhao,
Your troops can stand down for now. Ça fait toujours plaisir de devoir se replier au profit des mercenaires. Mais bon, au moins, on a réussi. C'est plutôt cool. Planet Gehenna, where the cowardly bugs hide beneath the surface, building hives to block vital mining activity. Extensive networks of bug tunnels stretch out deeply below the volcanic mountains. To wipe them out for good, every bug hole needs to be swept clean with lead and determination. Ah oui. Ok, une mission de plus de réussie. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.